Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire voir l'album de Noël que j'ai fait pour mettre les photos que je prends tous les ans lors du Noël de chez Tatat, c'est-à-dire le repas participatif que j'organise avec mes employeurs et leurs enfants, durant lequel le Père Noël vient et leur remet leurs cadeaux de Noël qui viennent de chez moi. Donc voilà, en tant qu'assistante maternelle, je prends des photos tous les ans et tous les ans, les photos restent dans l'ordinateur. Donc je me suis décidée, je vais les imprimer et je leur ai fait un petit album pour ça. Je ne sais pas si je pourrais mettre toutes les photos dedans. J'essaierai d'en mettre une par enfant ou par groupe d'enfants et par année pour avoir un peu tout le monde. Et s'il faut, ben, on refera un autre album. Donc pour faire cet album, j'ai utilisé plusieurs kits de Papercraft 7. Donc ils sont pas tous de ce modèle-là. Je peux pas vous faire voir les autres couvertures parce que je les ai utilisées pour la couverture justement. Mais au total, j'en ai utilisé 3. Donc j'ai utilisé les papiers A3 pour faire les décorations des pages. J'ai utilisé les papiers A5 pour faire les tags, et j'ai utilisé les die cut. J'ai également utilisé les petits tags comme ça pour faire comme une petite languette pour tirer sur les tags. Les stickers, je m'en suis pas encore servi, mais je m'en servirai ensuite lorsque les photos seront posées pour faire les décorations intérieures. Donc tous les stickers sont encore là. Attendez, je fais des bêtises d'une main. Donc, il me reste encore pas mal de die cut aussi que je n'ai pas utilisé. Donc, les papiers A5, les papiers A4, tous les die cut, tous les paper tags et les stickers. J'ai également utilisé un paquet sur les trois de petits grelots de Noël pour vous donner un petit peu, vous savez, quand on manipule l'album, que ça fasse un petit peu bah, les grelots qu'on entend souvent. Quand le Père Noël arrive. Donc voilà, je vous fais voir ça juste après. Je vous rappelle en attendant que vous pouvez vous abonner à la chaîne, que vous pouvez activer la petite cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos, me mettre un petit pouce bleu, j'apprécierais vers le haut, mais si vous voulez mettre vers le bas, c'est votre choix. Plus vers le haut quand même pour me faire plaisir, pour me dire que vous appréciez mes vidéos et que vous en voulez d'autres. Vous pouvez également me laisser un commentaire en dessous. Moi, l'album a été fait suivant plusieurs tutos. Ce sont des mix de tutos de chez Lidl. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa chaîne et également le lien vers le haul que j'avais fait quand j'avais reçu de l'une de mes employeurs, le set paper set là, le papercraft set, j'en avais reçu plusieurs en cadeau d'anniversaire, donc fin août. Donc allons-y pour le dévoilement. Donc avant de le dévoiler, je vais vous faire je vais vous faire voir une petite vidéo d'accéléré où je vous ai fait voir, je bafouille, excusez-moi, toutes les finitions que j'ai fait sur l'album, c'est-à-dire recoller les petits trucs qui s'étaient un petit peu décollés, mettre le washi pour les reliures parce que ça ne me plaisait pas de voir le fil de couture, et également la fixation de tous mes tags. Donc voilà. Thank you.
Donc déjà, je ne sais pas si vous allez entendre. On entend bien les grelots. J'ai pris parti de laisser dépasser tous mes tags. Enfin, quasiment tous mes tags. Tous ceux qui étaient... Donc, il y en a sur la tranche ici. Il y en a sur le dessus du livre et ainsi de suite. Donc, ma reliure est faite avec une reliure intérieure où j'ai cousu mes livrets, qui, vous allez voir, ne sont pas des livrets indépendants, mais ce sont des livrets qui sont attachés ensemble avec une reliure en U et en V, comme l'explique Lydie dans ses vidéos. C'est fait avec des enveloppes qui sont un peu plus grandes que le format A5. Et ici, j'ai donc mes deux parties, le devant et l'arrière de la couverture, qui sont reliées une fois finies avec ce petit morceau de papier dont j'ai tracé des petites lignes pour qu'il soit bien arrondi. J'ai tracé des petites lignes tous les demi-centimètres. J'aurais peut-être pu le faire un peu moins long pour qu'il soit un peu moins bombé parce qu'à l'ouverture, il a tendance à revenir comme ça et à me plier un peu mes décos qui dépassent. Donc sur le devant, j'ai mis un petit collage de die cut pour faire un peu cocooning, sapin de Noël avec le fauteuil, les coussins qui sont tombés par terre, la couronne, les guirlandes de lumière, le hou, le sapin que j'ai. Il était déjà décoré, mais moi j'ai rajouté en 3D d'autres décorations, donc les boules qui sont ici et les étoiles qui sont ici. Au pied, j'ai glissé, il y a encore une étoile là. J'ai glissé les cadeaux, bien sûr, parce que les cadeaux, on les met au pied du sapin. Et ici, on a laissé un petit tas encore de décoration, parce qu'il n'est pas fini de décorer. Voilà, donc moi, ils sont collés, bien sûr, ils bougent en bas de là. Donc, j'ouvre l'album. Donc, la reliure ici est cousue. Par contre, comme c'est cousu avec des enveloppes, j'aurais peut-être dû mettre des œillets, parce que les enveloppes semblent un peu fragiles. Donc la première page, nous avons d'abord deux tags qui sont dans deux pochettes. Une première pochette ici où je glisse le premier tag et la petite pochette sur le devant où il y a le deuxième tag. Les pochettes en question, ce sont des enveloppes que j'ai découpées à la dimension. Ça, c'est une chute d'enveloppe que j'ai découpé sur d'autres enveloppes et que j'ai collé l'une au-dessus de l'autre sur la page qui est une enveloppe et qui libère donc une pochette secrète avec un autre tag. Tous mes petits tags comme ceci, je les ai attachés avec des œillets. Que vous avez, enfin, vous avez pu voir la fixation dans l'accéléré que je vous ai mis en début de vidéo. Sur le retour de la première page, nous avons une autre enveloppe avec un tag qui s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai posé deux washi, c'est pour décorer, mais également cacher. J'ai en collant, j'ai passé trop près mon plioir et j'ai un petit peu abîmé ma reliure. Donc, j'ai posé les washi recto et verso pour cacher un peu ma bourde. Comme c'est un album qui va rester chez moi, c'est pas trop grave. Je le sais. Ça ne se voit pas trop, c'est le principal. Sur la deuxième page, on a également une enveloppe rabat. Donc elle s'ouvre comme ceci. Vous avez donc un paysage de forêt de sapin. Vous avez le tag dans la pochette secrète. Hop, je vais ressortir. Sur le devant, vous avez également un tag. D'ailleurs, celui-là, je me rends compte que je n'ai pas mis de mini tag, mais bon. Je vais remédier à ça juste après la vidéo. Ici, sur l'arrière, vous avez de nouveau une enveloppe qui fait une page qui se rabat avec son tag à l'intérieur. Voilà. Quand on l'ouvre, ça donne ceci. Ici, vous avez une deuxième enveloppe qui fait une deuxième page qui s'ouvre. Pareil avec son tag à l'intérieur. J'ai utilisé des paper set craft qui étaient soit noir et blanc, soit plutôt gris, soit coloris. Et j'ai essayé de varier un petit peu les couleurs et noir et blanc, de façon à ce que ça ne fasse pas une partie noire et une partie colorée. Donc ici, la page normale, le washi du milieu,
D'ailleurs, je me rends compte que c'est un washi-dji action qui ne colle pas. J'ai pourtant ajouté de la colle, mais bon. Je referme par là. Ici, vous avez une page qui s'ouvre avec son tag à l'intérieur. Ici. Ici, une pochette secrète avec le tag à l'intérieur. Ici, il n'y a pas de page qui s'ouvre. C'est en fait le milieu de l'album. Ici, vous avez de nouveau la pochette secrète. Lydie, dans ses vidéos, adore les pochettes secrètes. Et moi aussi, donc j'ai bien suivi. Je me suis servi de l'intérieur des enveloppes pour faire mes pochettes. Ici, vous avez une autre enveloppe qui est collée, bien sûr, à l'intérieur, qui s'ouvre avec son tag. Et elle s'ouvre comme ceci. Là, vous avez, ils se battent, une autre enveloppe qui est collée juste avant celle-ci à l'intérieur, qui est un peu plus courte. Et j'ai le tag à l'intérieur. Petite coupure, mon fils m'a parlé. Donc, sur la page suivante, je replie. Sur la page suivante, nous avons une enveloppe avec la pochette secrète et un tag à l'intérieur. Sur son côté, vous avez de nouveau la pochette secrète avec un tag. Et à l'arrière, elles sont toutes faites à peu près pareil, les pages. Il y a juste une ou deux pages qui sont différentes. Donc ici, vous avez le tag à l'intérieur de la pochette secrète. Et ici, vous avez une petite pochette que j'ai prise avec les chutes des enveloppes. Alors les chutes des enveloppes, vous voyez, j'en avais certaines qui étaient de cette taille-là. Et j'en avais d'autres beaucoup plus petites. De tout faire tomber, qui était comme ceci. Donc j'ai utilisé les chutes pour faire des petites. Donc là vous pouvez glisser un autre tag ou simplement des photos matées. Voilà, ici sur cette page-là vous avez une enveloppe. Ici c'est un patchwork de papier parce qu'on arrivait à la fin des blocs et j'avais des chutes, énormément de chutes. D'ailleurs il m'en reste encore. Et je me suis dit que j'allais les utiliser, pardon. Et quand on enlève le tag de la pochette secrète, on a donc la chute de papier de l'intérieur qui se met exactement avec le papier de devant. Donc voilà, je remets le tag à l'intérieur. Voilà. Je tourne la page. J'ai mes tags qui s'entremêlent. Voilà. Ici, vous avez de nouveau à l'intérieur un tag dans la pochette secrète. Là, il faut que je me mette droit. Ici, vous avez deux petites pochettes de cette taille-là qui sont posées l'une au-dessus de l'autre avec un écart d'un centimètre que j'ai maté avec une chute de papier pour qu'on ne voit pas l'enveloppe en dessous. Et à l'intérieur, vous avez donc deux petits tags qui ne sont pas exactement de la même taille, qui sont découpés en fonction de la taille des pochettes. La couverture arrière, je n'ai pas pris le parti de mettre. J'aurais pu mettre une pochette ici, mais je n'ai pas laissé assez de, comment dire, d'espace ici, comme j'ai des pochettes et les tags qui prennent énormément de place. Voilà. Et à l'arrière de l'album, je n'ai mis que des stickers, un petit paquet cadeau, un petit stickers avec des croix qui fait un peu effet washi et le stickers handcraft pour dire que c'est fait main, fabriqué main. Voilà, et donc vous avez bien le petit bruit de grelot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous si vous avez des questions ou si vous avez des idées d'albums ou de cartes ou ainsi de suite ou peut-être un défi à me lancer. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.